Bonjour, bienvenue à studioarfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre démonstratrice et animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle série de cours que je vais offrir au studio qui est sur le quilling, le paperoll. J'en ai parlé déjà plusieurs fois dans le passé que je voulais commencer à investiguer comment réaliser des projets, apprendre les techniques du quilling et de l'intégrer dans les ateliers de Stampin' Up. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les cours que je vais présenter et qui seront offerts au studio le mercredi après-midi pour l'instant, à compter de septembre. Si vous avez accès à mon infolette, le prochain infolette va l'annoncer. Et aussi, il va être sur mon calendrier au studioarfolie.com. La façon que ça va fonctionner, c'est que ça va être 20$ par cours. Et vous y allez selon votre vitesse. Et puis, je vais donner quelques dates. Et ces dates-là seront que si vous ne pouvez pas la première fois, ben vous pouvez arriver la deuxième fois, car c'est pas quelque chose que je dois être à vos côtés en tout temps pour réaliser vos petites œuvres. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais vous fournir différents produits, matériaux, afin de comprendre ce qu'il y a sur le marché. Oups, excusez. De différents outils qu'on utilise pour faire le quilling. Et puis, moi, je vais en avoir justement sur des lieux que vous allez pouvoir tester et puis utiliser pour faire vos projets. Alors, vous allez voir qu'il y a différentes choses qu'on peut soit acheter ou des fois, on peut même le fabriquer par nous-mêmes, ce que je pourrais vous expliquer à ce moment-là. Ce qui va être inclus dans votre cours, ça va être... un petit outil que je vais vous donner qui est pour aider à rouler le papier. Et vous, ce que vous aurez à apporter, c'est votre colle Tombow. Et si vous ne l'avez pas, j'en ai à vendre sur les lieux. Alors, c'est tout. Et le reste, je le fournis. La façon que ça va fonctionner, c'est que vous allez graduellement réaliser des projets. Et puis, je vais vous montrer... À la base, ce que vous allez apprendre, c'est, disons, ça c'est un exemple de carte que vous allez pouvoir réaliser et qui est assez simple. Et vous allez apprendre à créer différentes formes, comme à titre d'exemple, cette carte-ci. Alors, je vais avoir un tableau et là, vous allez pouvoir comprendre comment on travaille avec le carton, quelle sorte de carton, grandeur, largeur. On l'achète précoupé ou on le fait nous-mêmes. Vous allez voir les différents matériaux qu'on peut utiliser. Alors ça va être un exemple de première carte que vous allez réaliser. Après avoir réalisé différents motifs par vous-même. Et puis vous allez développer aussi un goût à quelque chose que peut-être vous allez mieux aimer que d'autres dans les motifs. Ensuite, vous allez apprendre à faire un motif... un petit peu plus précis, comme l'exemple ici d'une carte de Noël dans des fêtes. Pourquoi ça fait du bruit? Ah, c'est mes petites wingeling ici. Alors, on peut voir ici, c'est le même motif qu'on répète, qu'on forme une fleur avec des petites spirales, et puis en même temps, on s'amuse à faire du gaufrage. Et puis, on peut voir comme ça ici, un petit rappel de la feuille, la pétale. Alors, ce serait un genre de deuxième projet, un peu plus structuré. Ensuite, on y apportera un peu plus de structure. Et ça, c'est un titre d'exemple. C'est avec un jeu des temples, puis qui est retiré, mais que j'ai toujours et que je vais finir par me départir dans une vente de garage. Mais pour l'instant, je me suis amusée avec. Je me disais, le parsley, les motifs, ça me rappelle justement les formes qu'on a à créer avec le papier cartonné. Et puis, alors, ça va être un troisième projet qu'on va réaliser. Puis après, nous allons réaliser un projet tel que cet exemple ici. Là, ici, il y a tout un petit montage
vous pourrez décider quelle sorte de petit montage vous désirez. Mais à la base, ce que vous allez réaliser, ça va être un papillon 3D. Ici, il y a des petits défauts. Alors, ça va être un bon exemple à vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on fait un montage en trois dimensions, ainsi que tout montage sur carte, la hauteur et tout ça. Alors, le papillon en trois dimensions sera le quatrième projet que vous allez pouvoir réaliser. Et c'est ensuite, on tombera à plus grande dimension. Il faut comprendre que plus que vous travaillez un plus gros projet et plus que ça va prendre de carton et de rouler du carton et de la différente grosseur de format que vous voulez créer quelque chose. Alors, entre-temps, je verrai comment vous vous avancez dans les projets et je présenterai à ce moment-là un projet sur toile. Je vais peut-être commencer par un plus petit format avant d'aller à un plus gros format. Et puis, c'est ça. On va y aller selon votre vitesse. Alors, ici, on peut voir une autre sorte d'outil, comment on peut utiliser pour rouler aussi le papier cartonné. Alors, c'est des heures de plaisir. Et si vous visitez mon réseau de Pinterest, ma page Pinterest où j'ai multiples tableaux, vous allez en voir un sur Quilling et qui a des tonnes et des tonnes d'images et d'idées. Alors, ça sera quelque chose avec quoi vous pourrez vous référer par après avoir appris la base et maîtrisé les différentes techniques. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez par après décider qu'est-ce que vous aimeriez réaliser en plus gros. Vous allez voir aussi que j'ai un volet boutique Amazon et que dans cette page-là sur mon site Internet, vous allez voir qu'il y a aussi des outils que j'ai mis là si vous voulez vous en procurer par après à titre suggestif. Alors, ceci dit, je pense que j'ai pas mal tout couvert. Alors, j'espère que ces projets vont vous plaire et que vous allez vouloir tenter votre chance à venir au cours. Puis là, moi, c'est mon favori, lui. Et puis, participer à mon atelier. Comme je vous dis, vous pouvez tout simplement participer au premier ou au deuxième. Les projets vont y aller graduels. Mais ça va être le premier projet après avoir monté un tableau de différents motifs qu'on peut faire. Alors, merci et bonne journée!